Mais on a eu une très mauvaise entame de match et qui nous fait très très mal. Ça nous fait courir après le score pendant longtemps. On réussit à faire une rapprochée en fin de match, mais comme on dit, trop peu trop tard. Et en plus, dans les deux dernières minutes, on enchaîne quelques ballons perdus qui font que ça donne un écart, avec un gros écart final, alors qu'on avait fait quand même les efforts pour revenir. Et on doit apprendre et comprendre qu'on ne peut pas commencer un match comme ça, surtout à l'extérieur. Après, normalement, à domicile, on se doit d'avoir beaucoup plus d'énergie, mais là, on sait qu'on a manqué clairement d'énergie à l'extérieur. C'est eux qui nous ont impactés. Donc on sait que là, sur le prochain match, c'est à nous d'être les agresseurs et pas les agressés. Bonjour, je m'appelle Loïc Schwartz, nationalité belge, position 2-1. Bah Loïc, il nous arrive là, on a fait deux séances avec lui, une avec intensité, une sans intensité, c'est peu, mais voilà, je pense à un garçon qui va nous aider, et d'une dans la rotation certes, mais surtout sur son, voilà, le poste c'est vraiment le même joueur, enfin similaire à Marcus Page, c'est-à-dire un joueur qui aime bien utiliser les grands porteurs, qui aime bien la balle, qui aime bien créer, qui est capable de shooter, surtout dans l'intermédiaire, capable de voir ses coéquipiers, donc ça va nous aider. Je pense qu'il va même aider un garçon comme Chris Warren, qui a besoin que le décalage soit fait pour recevoir les ballons dans les bons tirs. Voilà, j'aime bien son activité et dans la compréhension du jeu. Pour l'instant, bon, on a vécu que, je vous le disais, deux séances, mais pour l'instant, voilà, il s'intègre bien dans le collectif, il ne faudra pas être trop pressé, parce que je pense qu'il va avoir besoin d'un peu plus de séances, mais c'est un bon début, je dirais. Ouais, j'ai suivi, je sais qu'au début ça allait, mais qu'il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup d'absents, et je pense qu'ils avaient, pour moi, ils avaient une très bonne équipe à la base. Mais avec toutes ces absences, ben, c'est difficile de faire une saison, on va dire, très calme. Et, moi, je pense qu'il y a un bon groupe, il y a des bons joueurs, juste que peut-être il manque un petit quelque chose. Je pense que déjà de pouvoir jouer des deux côtés, en attaque et en défense, surtout beaucoup de créativité, pouvoir créer le jeu, aider mes partenaires à avoir des positions préférentielles, et aussi de la défense. C'est surtout ces deux côtés-là que je veux apporter, être très complet. Ouais, c'est un match important, enfin tous les matchs sont importants, mais là on est dans une série de défaites, ce serait bien de changer la spirale. Après, on joue une équipe qui est vraiment très très intéressante. C'est une équipe qui a été bien construite, qui est sur une bonne, un bon élan, on va dire. Ils viennent de gagner de 20 points contre Limoges. C'est une équipe, si tu la laisses s'installer, elle peut, ils ont des joueurs, des gros shooters comme Jenkins, comme Brandon Taylor, qui sont deux très très bons joueurs, et plein d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont capables d'alterner le talent et l'intensité, voilà, qui peut faire déjouer l'adversaire. La preuve, une équipe comme Limoges a mis 4 points sur le dernier carton, donc c'est la preuve qu'ils sont capables de défendre. Maintenant, nous, il faut, avant de s'occuper de Gravelines, il faut s'en occuper un petit peu, certes, mais il faut qu'on s'occupe de nous et qu'on se remette dans le droit chemin, et en attaque et en défense, pour pouvoir, pousser cette équipe de Gravelines dans des difficultés. Ça passe par nous avant tout. Justement, ça va être notre agressivité, parce que Gravelines, c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de talent. Si on les laisse jouer, ben, ça peut être une très longue soirée. C'est une équipe qui peut marquer vraiment beaucoup de points. Donc c'est à nous de les agresser et leur rendre chaque chose difficile. Je pense à un match avec beaucoup d'intensité, surtout de leur côté au niveau offensif, parce qu'on sait qu'ils ont des gros scoreurs, des gens qui aiment shooter un peu de partout. Donc, je pense qu'il faut être prêt en défense. Mais l'avantage, c'est qu'on a une équipe physique, avec des joueurs comme Jérémy ou Malé, qui sont vraiment très très physiques du côté défensif. Donc je pense que si on joue notre basket, ça devrait aller. Ben, je suis très très heureux d'être ici. J'espère que je ferai une bonne partie de saison avec vous. Et j'espère que vous nous encouragez, même si il n'y a pas des hauts et des bas. Mais le plus important, c'est qu'on se donne à fond pour eux, parce qu'ils le méritent.